Salut tout le monde, c'est Matotti, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 je crois de notre let's play sur Zelda Minish Cap. Alors avant de commencer l'épisode, je tiens de parler du commentaire de Louis. Non, remarque, on va parler après le boss. Je tiens à vous dire aussi Adam que oui, j'ai toute ma vie et que effectivement je suis allé récupérer des fées et tout ça. Et pourquoi la porte du boss était-elle ouverte? Tout simplement parce que dans l'épisode je me suis dit oh, et si je le faisais? Et puis en fait en cours je me suis dit non, parce que j'avais peur que l'épisode soit trop long. En fait je me suis posé tellement de questions à la suite, et voilà pourquoi en fait le boss est déjà ouvert. Et du coup là, je me suis laissé tuer, donc le game over qu'il y aura ne comptera pas dans le let's play, d'accord? Parce que quand même, et du coup vu que je repop au tout début, j'en ai profité pour récupérer des cœurs. Donc apparemment ça s'est bien passé, hop. Voilà. Donc c'est une ré. Oh oh. Voilà. Bon, il suffit juste de faire ça. Attention. Il y a toi qui va bouger. Voilà. Voilà. On a réussi donc. Vas-y, tire. Voilà. Tiens. Hey, enfoiré. Pardon pour cette vulgarité. Hop. Oh non, t'es sérieux? Ça, il est dur, hein, de... C'est pas... Écoute, viens, on se fait un câlin. Yeah. Ok. Si vous entendez des gros bruits de manette, je m'en excuse. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi. Allez, hop, hop, hop. Maintenant, c'est qui va venir? Toi. Ok. Ah, merde. Ah, franchement, je me suis fait avoir. Oh. Vas-y. Oh. J'ai eu de la chance. C'est bon? Apparemment. Donc vous voyez, en fait il y a une grosse raie, c'est le boss, et l'autre c'est... Oh, j'ai réussi, attends. Ok. Il reste encore une phase. Enfin, une phase. Un truc. Voilà. Yeah, j'ai réussi. Ça va. Assez simple. Cette fois-ci. Non, non, non. Ici. Toi. Je veux monter dessus. Allez, viens. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Un peu de... De respect. Tout ce que j'espère, c'est que je vais pas mourir. En tout cas, c'est bien parti pour, j'ai l'impression. Oh, date esquive. On a réussi. Ah, j'étais pas loin du fail. Les fantômes vont pas tarder à disparaître, je pense. Ouais, voilà, c'est bon. Hop, pif. Bon, je m'excuse pour les bonnes manettes. Donc maintenant, on va parler du commentaire. C'est Louis quelque chose. Je m'excuse. Normalement, le truc, j'ai pris un screen, donc il devra apparaître sur l'écran, si j'y pense. D'accord. Et j'ai un demi ok. Et du coup, il me disait en gros que mon collector que j'ai ouvert donc de Zelda Majora's Mask, il disait oh la pauvre 3DS qui est sortie de son carton. Donc en gros je pense que ce qu'il voulait dire c'est que ben il l'a pas laissé sous blister, c'est dommage. Je vais te répondre pourquoi je l'ai pas laissé sous blister. D'une part parce qu'à la base c'est censé être mon cadeau d'anniversaire, donc ça fait 3 mois que je l'attends pour te dire. Bonjour. Ça fait 3 mois que j'attends mon cadeau d'anniversaire, et en plus de ça ben c'est
320 euros que j'ai gaspillé là-dessus. Et puis il y en a, ils seraient capables de l'acheter deux fois et pas moi. Et du coup, je me sens pas de m'acheter une 3DS, une New 3DS XL Collector's Edition Majora's Mask, et c'est vide, me racheter une New 3DS XL ou pas, et me racheter le jeu à côté. Je trouve ça bête en fait. L'intérêt d'avoir quelque chose de sous blister, je ne vois réellement pas l'intérêt. Parce que je m'excuse du bruit. Hein. Si vous entendez des gens parler, je m'en excuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un truc. Enfin. Déjà que ça coûte cher, alors si en plus je dois me repayer un truc à côté, et puis donc je disais l'intérêt de payer un truc sous blister, et de le laisser sous blister, je vois pas l'intérêt, parce que au final c'est juste pour se vanter, parce que c'est quelque chose que tu vendras jamais, que tu utiliseras jamais, juste pour dire regarde, j'ai un truc que je n'ai jamais utilisé, ouais, c'est bien. Et enfin, moi je le vois comme ça. Après, je suis un petit collectionneur, je suis pas un grand collectionneur, je vais pas gaspiller de l'argent. Quand je peux, c'est. Enfin. Quand j'ai envie et que je peux, je le fais. Sinon. Sinon, je laisse tomber. Enfin. Voilà, je vois pas l'intérêt. Enfin. Quelque chose de sous blister, en gros, c'est. Tu utiliseras pas. Je vois pas trop l'intérêt. On va le tuer, lui. Allez! Ah, t'es bien là, oui. Ah, des bombes. Je les vends. Je les prends, pardon. Je sais pas trop ce que j'ai dit en fait. Et donc je vais essayer de finir ce truc de sous blister quoi. C'est que des années, ouais, certes ça vaudra très cher si je le laisse neuf, mais dans des années déjà il y a peu de gens qui seraient intéressés. Dans des années, je pense pas que quelqu'un mettra un prix aussi haut, donc au final enfin, je pense que tu m'as compris ce que je veux dire par là. Merde, je pense que tu m'as compris, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui va dépenser de l'argent pour au final juste le garder. Dis-toi que moi, avant de l'avoir, on a été plusieurs à... Déjà, on m'a donné un peu d'argent, je m'en suis donné un petit peu à moi-même aussi, c'est un peu con, mais j'ai économisé aussi. Mes parents ont un petit peu économisé pour moi, je les remercie sérieusement, des amis ont économisé. Parce que avant j'avais l'argent, hein, mais c'est juste qu'après, bah, le prix il a encore augmenté. Enfin bref. Pourquoi je suis venu ici, je ne sais pas. C'est pas ici. Ah si. Si si, c'est pour ça. Voilà. Donc on va continuer dans l'histoire. Non. Enfin pardon, mais. Voilà. On doit pas encore. Enfin si, je vais continuer dans l'histoire principale, mais avant, pousse-toi toi. J'aimerais faire un petit truc. J'aimerais aller ici. Salut le poussin. Mais cette cape, oui, vas-y, j'en suis honoré. Vas-y, apprends-moi ton truc. Allez, vas-y, fais contrôle. Allez, vas-y, fais ton contrôle. Allez, vas-y, ça c'est stylé ça. Alors, c'est classe. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à ton commentaire, Louis, parce qu'au final c'était pas une question, c'était juste une idée. Je trouve ça dommage, j'ai juste changé ce truc en son texte en question. Merde, à chaque fois je me bourrais. Donc voilà. Et franchement, faites comme lui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit des questions ou pas. Je prends énormément de plaisir à lire des commentaires, donc ça, enfin, tout est intéressant sur ce que vous dites déjà. Genre le serpent lui craint. Oh. On s'en occupera plus tard, on fera une vidéo spéciale, et là il va nous apprendre the technique. Il y a des gens, je crois que quelqu'un fait la vaisselle. Parce que je tourne toujours après manger en fait. Voilà.
Oui, c'est bien. Oh putain, j'allais appuyer sur la touche speed. Oui, t'inquiète pas, je sais. Voilà. Bien joué! Voilà, j'ai appris toutes les techniques d'un maître. Si. Donc, maintenant, je m'excuse pour les bruits de fond comme d'hab. Maintenant, il va y avoir beaucoup de dialogue. Je sens que je vais éternuer, donc si ça arrive, je m'en excuse. Voilà, ça va arriver, je crois. Désolé. Putain, j'ai rigolé en même temps que j'ai éternué, c'est fantastique. Qu'est-ce que je fais? Oui, donc faut refaire le truc. Dis donc toi, j'ai eu peur. J'étais ici, si c'est pour me faire avancer, merci. Est-ce qu'on a un peu des coquillages? Ouais, non. J'ai besoin de coquillages pour. Oh, j'ai cru que j'allais me faire choper pendant un instant pour les coques. Pour les co Et qui m'a vu? Enfin bref. Pour les figures Nintendo. Je continue toujours en off d'ailleurs quand je peux. Je crois que je vais aller trop vite en fait. Et là tu creuses et Concentration. Ça fait penser un petit peu à Ocarina of Time pour ceux qui ont vu mon let's play. Au début du jeu, il y a ça. Enfin, on doit éviter les gardes. Et là, on doit faire quoi d'éviter les gardes? Je pense qu'ils ont tiré beaucoup de Zelda pour les musiques, pour les. Enfin, normal, en même temps, c'est un Zelda, mais. Et pour l'histoire, pour les systèmes de quêtes, certainement. Après, Minish Cap a son côté à lui aussi, il a son côté humoristique, il a son côté. Il a beaucoup de son côté. Hop. Heureux, il y a une mini intervention. Donc, il nous manquait plus qu'un élément et c'est parti. Voilà. L'épée va être. L'épée est légendaire. Je m'excuse encore une fois pour cet éternuement. Vous avez imprégné l'épée de la force de l'élément vent. Grâce aux quatre éléments, l'épée blanche est devenue l'épée de 4. Elle peut envoyer un rayon. Enfin bref, on s'en fout de ça. Ouais, donc ça, je sais ce que ça fait. Voilà, on a. Allez, hop, c'est parti. Ah. Tiens! On dirait que cette porte s'est ouverte avec la création de. J'ai du mal à lire. C'est chiant. Ces vitraux, on dirait qu'il. Indique l'endroit où se cache la force. Là, on va voir une cinématique qu'on a déjà vue. Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, des miniches descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière.
Armé de sage et de bravoure, le héros parvient à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Et la lumière d'or, la force, se logera dans le cœur. C'est donc là qu'elle se cache. Vous êtes vraiment trop bon, maître. Vous m'avez procuré le château à vous. À vous. Le chapeau à vous, pardon. Et maintenant, vous me conduisez ici. Malheureusement pour vous deux, pardon, je n'ai plus besoin de vous. J'ai enfin trouvé où se cache la force. Link, réveille-toi, Link. Vati a dû prendre l'apparence du roi pour trouver plus facilement la force. Il a pris l'existence du sanctuaire et a entendu qu'on crée l'épée sacrée. Si ces vitraux disent vrai, la force se trouve dans le cœur de la princesse. Et Vati ne reculera devant rien pour s'en emparer s'il y parvenait, nous ne pourrions plus jamais libérer Zelda de son terrible sort. Dépêchons-nous, Link, il faut à tout prix arrêter Vati. What? Non, je suis au courant. Mais c'est affreux. Ils sont tous été changés en pierre. Le ministre, les gardes, tout le monde. Exactement comme la princesse Zelda. C'est encore un coup de Vati. Effectivement. Bon, alors, qu'est-ce que je suis de faire? D'accord. C'est juste ça. C'est toi qui m'as sauvé? Oui. Bon, tu m'apprends des trucs que je sais déjà. Alors, le ministre, à ce passage-là du jeu, il y a un truc assez marrant, regardez. C'est lui voir. C'est rigolo. Ah. De souvenir, il faisait un assemblage, mais bon. Il a décidé que non. À la mousse. Merci. Château des ténèbres. Donc, incroyable. Regarde ce Vati. Ce que Vati a fait du beau château d'Hyrule. Je ne pensais pas que ce gardien était doté d'un tel pouvoir. Link, il faut vite retrouver le roi et la princesse Zelda. Non. Pas aujourd'hui. Ah, il me manque trop de choses. Oh, faut que je fasse une partie du donjon. Oh, on va faire vite alors. Hop. Faut que je fasse une partie du donjon. On va tomber. Voilà, ici un trou. Il y a un trou de mini-niche. Parce qu'ici y a rien, non, rien. Ah, je m'excuse, faut qu'on fasse une mini partie du donjon, ce sera très vite réglé, je vous le promets. Je veux pas que vous soyez quelque chose spoilé par le.
par le truc, donc j'essaie de faire vite. Oh là là, il a failli me toucher, cet enfoiré. Pardon pour les mots vulgaires. Allez, hop, on descend. En fait, quand on arrive là, à ce stade-là du jeu, les gens considèrent que vous pouvez direct finir le jeu. Alors moi, je ne peux pas encore finir le jeu, je vais faire des quêtes annexes. Ah là là. Hop, on est en prison. Voilà, on a ouvert les portes. Eh merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va libérer le roi. Hop. Oh. Link. Voilà. Tu veux pas faire un petit assemblage, non? Bon, on laisse tomber alors l'assemblage et on s'en va. Ça va, vous avez pas été trop spoilé par le don. Enfin, je l'espère. Ah là 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 là, ici. Je l'ai fait tellement de fois, j'ai beaucoup de souvenirs. Wow. Laissez-moi. Non, ça c'est la suite, je veux pas. Je ne veux pas faire la suite. Je veux juste m'en aller. C'est possible, j'oublie. Voilà. Laissez-moi fuir. Voilà, donc maintenant, on va tourner un petit peu en rond, on va chercher des cartes de cœur et tout ça et tout ça. La dernière bouteille y compris. Par contre, je m'autoriserai de garder les solus pour m'aider plus rapidement à savoir où se cachent certains cartes de cœur et tout. Toi, tu veux pas faire d'assommage? Connasse. Et toi, tu veux pas faire d'assommage? Non plus. Et toi? Sorcière. Merde. Voilà. On se pousse. Hop. Ya. Voilà. Ici, il y a quelque chose. Un fragment rouge, je ne dis pas non. Un autre fragment rouge, non, je ne dis pas non. Et un autre fragment rouge, non, je ne dis pas non. Aïe. Hop, nous sommes sortis. Salut. Putain, j'ai une voix défoncée, mais incroyable. Oh là 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 là. Ok, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. C'est vers où? On va se téléporter ici. Enfin, je trouve cette arme est tellement amusante en fait. Oh putain. C'est stylé. Wow. Désolé. C'est ici que j'aimerais aller. Voilà. Hop. Là. Tu veux toujours pas faire d'assemblage toi? C'est dommage. Hein. Dis donc, il ressemble trop à Mario, le gars. Il veut pas faire un assemblage. Ouais, il est connu pour être ressemblé à Mario, lui. Hop. Salut. Oh, un fragment.
Oh, si je l'ai ramassé. Je suis noir. C'est pas raciste dans ce que je disais, je le dis d'avance. C'était marrant. Ils vont me dire, mais Mantoti, en quoi c'était raciste? Je sais pas, mais il y en a, ils ont tellement des esprits tordus. Rappelez-vous ici, il y avait un quart de cœur que j'ai dit, oh, je sais comment on fait pour le récupérer, mais c'est pas tout de suite. Alors on va aller le récupérer. Salutations, c'est le top 10. Hier soir, j'ai regardé ça. Parce que c'était le top 10 tragique que j'ai regardé. Bien ça. Ouais. Donc il m'en manque 4, 8, 12. Mais non, fail! Là, tu fais comme ça. Oh! Oh, vous croyez que c'est possible si. Ouais, oh merde. Non. Mais par contre, j'aimerais. Aïe! Yeah! C'est parti. Y'a quoi ici? Alors, déjà, on va visiter en dessous. Quelque chose ici. Là, y'a quoi? Rien. Bleu. Bon, je regarde ici, si. Ah, ici, il y a un coffre déjà. 50 coquillages. C'est plaisir pour moi. Il n'y a pas d'assemblage ici? Non. Donc toi déjà. Voilà. Ah, ici, ça sent l'assemblage. Oui! Le dernier assemblage! Des grottes. Ah, dégagez les mouches. Arrêtez de baiser sur mon ordinateur, d'accord? C'est littéralement dégueulasse. Et faudrait qu'on pense avant la fin de l'épisode à y aller. Dégage la mouche. Putain, y a des mouches. Trop de mouches. En plus, j'ai fermé les volets avec les lumières. Bon, il y en a moins que dans les autres épisodes. Ça va. Tadam. Bam 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 bam. Allez. Défoncez. Hop. On ira après. Alors on peut aller ici. La petite grotte miniche, c'est rigolo. Donc ça veut dire que en tout ce petit espace, il y a le truc des miniches. C'est marrant. Je regarde bien de partout. Ok. Il y a quoi ici? D'une part. D'une part, il y a ça. Donc si je descends là. Ok, il y a ça. Bim. Ici, il y a forcément quelque chose qui me dise regardez. Non, il y a rien. Ok. C'est juste pour dire bah vas-y. Ok, donc ça, c'était quelque chose que je voulais aller voir. Yeah. 200 rubis. Un quart de cœur. 200 coquillages. Ouais, ça fait plaisir. Oh! Il a traversé. Enfin bref, il a fait un truc chelou. Donc, combien j'ai de quart de cœur? Ouais, bon, un. Ça va être la fin au quart de cœur. C'est vrai, hein, là c'est vraiment la recherche. Merde, recherche au quart de cœur.
Hop. Allez, c'est long. C'est pas grave. Par contre, j'ai un début de hockey, c'est assez chiant. Maintenant, dans toutes mes vidéos, j'aurai un début de hockey. Ah, ici, on peut passer. Je pensais que si on reste appuyé sur As, bien. Ça aurait marché, mais pas du tout. Quoi ici? Ok. Il y a une sortie qu'on va aller voir juste après. Un fragment bleu, cool. Ici. Attendez, oh là là, ça sent que dans le tas, il y a... Non. Un fragment rouge. Ok. Allez, go. Ya. Ça va, coquillage. Ok. C'est good ça pour moi. Hop. Y'a quoi ici? Oh! Bah voilà. Je dis pas non. Oh! On entend comme un hélicoptère. Hop, on revient au début, c'est ici, voilà. Maintenant, on prend ça encore, et on s'envole, oh, ça passe. Bam, on les défonce tous. On va y arriver. Je sais même pas ça fait combien de temps qu'on tourne. Non, je mets jamais de chrono, je fais vraiment par instinct. Je suis trop un malade. Peut-être que je devrais pas, je sais pas, je devrais peut-être vraiment mettre un chrono. Maintenant on va ici. Alors, je vous conseille, d'accord? Bon. Je vous conseille, ok. Oh! On a le dernier flacon. Voilà, on a tous les flacons, c'est bien. J'aimerais récupérer un autre quart de cœur avant la fin de la vidéo, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Enfin, juste un. Non. Je vois pas lequel je pourrais faire en fait. Vous voulez pas faire d'assemblage, non? Et toi? Non plus. Je suis déjà allé dans leur maison, j'ai dû y aller une fois, mais j'ai jamais dû faire un. Oh non, y'a que dalle. Ok. Les bandes d'enfoirés. Violence. Où est-ce qu'il y aurait un quart de cœur? Oh, faut juste un. Oh, Justin, le prénom. Oh là là. Oh, je sais quel on va essayer de faire. Cocotte rage rage. Bon, écoutez. Alors, j'essaye une fois avec vous, mais faut que j'arrive à trouver toutes les cocottes. Il y en a une là. Une. Deux, ou peut-être la troisième. Troisième cocotte. Ah, c'est pas dit, bien évidemment. Oh là là. Je vais bien réessayer.
Je vous fais une ellipse pour vous, les gens. Heureux, donc j'ai réussi. Maintenant, on va attendre. Allez. Par contre, je m'excuse pour les gros rames qu'il y avait tout à l'heure. Ça arrive de plus en plus. J'espère que pour l'épisode final, ça ne le fera pas. J'aimerais que l'épisode final se passe sans aucun problème. Ah, mais enfin! Mais enfin, j'ai envie de vous dire! Donc, il nous manque. Je l'ai refusé ou quoi? Non, non, si, j'ai bien accepté le. Le quart de cœur. Il y a un quart de cœur ici, je sais comment on fait pour l'avoir. C'est assez long et chiant, je vous aime. Bon. Je regarderai 4, 8, 9. Donc 9 quarts de cœur. Je me permettrai de regarder la soluce. J'essaierai de. Mais de trouver un moyen. Attendez, je crois qu'il y a un truc, je vais voir. Pousse-toi, toi. Toi. Faut arriver à trouver le monsieur. Je sais pas où il est. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Toi, tu fais chier. Bon, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire. Enfin bref, le blabla que je ne fais pas d'habitude. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.